Salut à tous et à toutes, c'est Dante, j'espère de la pêche, la patate. Aujourd'hui, nouvel épisode de l'armoire de Dante au FM Type 88. C'est donc une arme de la classe soutien, espèce de gros mitrailleur chinois là, un gros truc de bourrin. Donc on débloque avec le pack Physical Warfare, qui est donc un pack qu'on avait en précommandant le jeu, et qu'au final ils ont foutu gratuit à tout le monde. Pour aller juste sur le PS Store ou le Xbox Live et le télécharger, c'est complètement gratuit. C'est sur Origin sur PC, pardon. J'avais oublié. Donc voilà, dans ce pack, vous avez aussi les fléchettes pour le DO12, qui est donc un type de munition, et le cache-flamme qui sert à cacher la flamme. Voilà, c'est un peu bête. Donc, c'est des trucs qu'on débloque en faisant des kills. Vous avez pas. C'est pas que en ayant le pack que vous les aurez, contrairement à cette arme. Bah, si je me trompe pas, forcément ça c'était au début du jeu, donc après peut-être que ça a changé, peut-être qu'ils l'ont foutu dans une mise à jour. En tout cas, vous verrez bien. Franchement, si vous n'êtes pas tenté par l'arme, vous cassez pas le cul à télécharger, sincèrement. Télécharger le pack. Sincèrement, alors ça va être une arme, ça va être un peu comme le JNG. C'est une arme qui sort pas du lot, qui a pas vraiment de. Enfin, après, s'il y a des gens qui aiment bien le JNG ou cette arme. Je vous contredis pas, si vous voulez bien jouer avec, vous pouvez jouer avec, hein, je crache pas dessus. Mais c'est une arme que, voilà, je trouve pas qu'elle a pas un gros avantage. Elle a pas vraiment le petit quelque chose qui fait que les gens ont envie de jouer avec, qui la rendent vraiment intéressante. Bon, déjà au niveau aspect design, elle est moderne, mais bon, voilà, je trouve que ça fait vraiment gris, noir, pas super terrible. Elle a pas vraiment de forme intéressante. Ensuite, au niveau du bruit, je suis pas super fan. Bon, ça c'est l'aspect physique, c'est pas super important, mais ça peut toujours, c'est toujours plaisant d'avoir une belle arme bien stylée. Donc voilà. Alors, je vais vous expliquer un petit truc. En fait, ces fusils mitrailleurs, ces grosses batteuses là, pour moi il y a deux genres. Il y a par exemple le premier genre, c'est les armes donc qui ont plus de 15 de tir, mais qui font un petit peu moins de dégâts que les autres. Que je pense par exemple la 249 qui a une super bonne 15 de tir, mais qui fait que 25 de dégâts par balle au début, ça descend jusqu'à 18. Jusqu'à partir de 60 mètres, si je ne me trompe pas. Et vous avez par exemple la M60 ou la PKP, donc des armes qui ont un peu moins de 15 de tir et qui font plus de dégâts, qui font 34 de dégâts. Donc bah, c'est quand même pas mal, c'est quand même 14 ou 15 de plus. Donc c'est vraiment bien quoi, pour genre de soutien, de tirer genre 2-3 balles, ça suffit pour tuer quoi. Donc là voilà, elle fait que 25 de dégâts, cette type 88. Et elle n'a pas la cadence de tir, par exemple, d'une 249 qui fait qu'elle pourrait se différencier. Donc elle a ni la puissance, ni la cadence de tir. Elle a une cadence de tir de 700 coups par minute. En général, je dis que c'est plus ou moins le bon truc pour un fusil d'assaut, pour une mitrailleuse lourde. Mais vous avez une 249 où il y a 800 de coups par minute, qui fait que, voilà, si vous voulez une arme avec la cadence de tir, bah, je vous conseille plus une M249. Surtout que la M249, c'est la première arme de soutien que vous débloquez en plus, donc... autant pas se priver, même ceux qui débutent, ben, prenez le 149, hein, vous cassez pas le cul, très honnêtement. Après, le truc qui est bien avec cette arme, le seul truc que je trouve plus ou moins bien, que peut-être des gens jouent avec pour ça, c'est qu'elle est assez stable en fait, elle a pas beaucoup de recul. Très honnêtement, il n'y a pas beaucoup de dispersion de balles par rapport à la M60 par exemple. La M60, a, comme j'ai dit, c'est une où elles font plus de dégâts, mais elles ont un peu moins de 15 de tir, pardon. Et la M60, en fait, vous tirez les premières balles, puis après, ça part un peu chez le pigeon, partout, quoi. C'est horrible, quoi. Il y a vachement de dispersion de balles, quoi. Donc, celle-là, vous n'avez pas trop dispersion, pas trop de recul, même avec de la suppression, ça va encore, ça reste correct, vous n'avez pas trop de difficultés. Moi, j'utilisais donc le chargeur amélioré et le garde-main. Garde-main pour avoir moins de recul, ça peut être vraiment pas mal, par exemple, sur la console. Avec les joysticks, c'est un peu plus chiant pour gérer le recul, plus dur. Après, bon, si vous êtes habitué, tant mieux. Si vous arrivez à gérer le recul, ce sera tant mieux. Mais moi, je mets tout le temps un garde-main sur les grosses batailles comme ça, surtout pour la suppression en fait. C'est pas tant en jouant normalement, c'est quand vous avez la suppression sur une batailleuse comme ça, le garde-main est vraiment appréciable. Donc voilà, le chargeur amélioré, même pas besoin de se poser la question quoi, c'est histoire d'avoir 100 balles en plus. C'est-à-dire que le rechargement, en général, c'est entre 5 et 7 secondes sur ces armes. Donc autant avoir 100 balles de plus. Quoi. Pour le même temps de rechargement, vous avez quand même 100 balles de plus. Donc c'est pas négligeable. Le rechargement sur cette arme est vraiment pas terrible le temps en fait. Le rechargement, c'est quasiment 7 secondes. C'est un des plus lents de cette classe d'armes. Quand vous prenez une PKP,
Ou une LSAT, c'est que 5 secondes 4, là c'est quasiment 7 secondes, donc voilà, il y a quand même une petite différence qui fait que ça peut aider quoi, dans un duel, de recharger. Donc voilà, c'est quand même important. Même si on recharge pas super souvent, quand vous avez le chargeur amélioré, quoi, dans les 2-3 parties que j'ai fait, j'ai rechargé deux fois quoi. Soit je prenais le pistolet, soit je ramassais une arme par terre pour pas avoir rechargé et attendre 30 ans là pour recharger une arme. Donc voilà, pensez si vous avez un petit coup de stress là, prenez une arme par terre, il suffit que ce soit une bonne M16 et puis voilà, vous tuez l'ennemi, vous récupérez votre arme et puis vous rechargez. Voilà. Donc voilà, ça c'est dit. Pas grand chose vraiment sur cette arme. C'est un peu comme JNG, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est une arme qui a pas un petit truc qui fait qu'on a envie de jouer avec. Voilà, pas quelque chose qui fait qu'elle sort du lot, qu'elle est vraiment intéressante. Donc du coup, d'un côté, je suis mécontent parce que voilà, je suis pas très fan des DLC, enfin du fait qu'on a des meilleures armes en payant en plus du jeu. Et donc là, c'était en précommande et donc ils ont foutu 2-3 trucs histoire que les gens précommandent. Mais en fait, compte, c'est pas des trucs super intéressants parce que bon, le cache-flamme. Bon voilà, ça sert pas à grand chose sur un snipe quoi, sur le SKS. Les fléchettes on les débloque au bout de 10 kills quoi, donc bon, c'est vraiment pas un truc super intéressant. Et cette arme sort pas du lot, donc voilà, moi j'avais précommandé le jeu, j'avais ça, j'étais tout content, et puis en fait compte, voilà, c'était pas super terrible. Donc voilà, c'est une arme qui peut être bien si vous avez du mal à gérer le recul, elle a quand même une carte de tir honnête, mais bon, il y a mieux quoi. Si vous voulez une arme avec bonne carte de tir, vous prenez un 149, surtout qu'on la débloque au début du jeu, enfin plus ou moins au début du jeu, c'est la première quoi. Et si vous voulez vraiment de la puissance, vous avez soit la PKP, soit la M240B qui est vraiment pas mal aussi, pour le coup, qui a une 750 pour limite, qui a une meilleure carte de tir que celle-là et qui a plus de dégâts. Donc autant prendre une 240B et puis voilà, simplement. Donc voilà. Je vais en profiter pour la fin de la vidéo de parler un peu BF4. Donc à l'E3, le centre du jeu vidéo le plus grand au monde en fait, il est à débloquer, à dévoiler le saut, un peu de solo et du multi de BF4. Donc vous voyez une carte siège de Shanghai. Je ne peux pas vous faire de vidéo sur BF4 pour l'instant. Parce que j'ai pas testé le jeu déjà, j'aime pas faire donner un avis quand j'ai pas testé un jeu. Et surtout que c'est une pré-alpha. Donc niveau graphique, c'est pas, ce sera pas comme le jeu définitif. Au niveau des animations, tout ça, il y a pas mal de nouvelles choses. Donc, on pourra nager sous l'eau, il y aura une nouvelle animation pour nager. Vous pourrez avoir un pistolet dans l'eau, vous pourrez vous défendre plus ou moins. Vous pourrez contrer le cut. Quand on essaye de vous cutter, vous avez une animation. Et je pense qu'il faudra appuyer sur un bouton, le bouton du cut, je pense, pour contrer ça. Pas mal de choses. Donc, je ferai vraiment une vidéo quand la bêta sortira pour vraiment vous donner un avis, et encore ça sera qu'une bêta, donc voilà, je vous ferai plein de vidéos quand je sortirai. En tout cas, il y a le retour du mode commandant, du mode spectateur qui arrive, donc voilà, je vous ferai une vidéo quand le jeu sortira, surtout en bêta. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, je vous dis à la prochaine, ciao bye.